Ma chaîne Virge, c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo mes toiles terminées et mes colos terminés. Donc mes colos terminés, ça fait un moment que je ne vous les montre plus. Bah parce que j'avais pas mal de vidéos à tourner. Et du coup, je vais vous montrer juste celle du mois de juin. Les autres, bah tant pis, hein, de toute façon, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe, mes colos sont tout en mis sur le groupe. Le groupe, vous le retrouvez en barre d'infos, vous pouvez également me retrouver sur ma page Virge c'est moi, vous pouvez également me retrouver sur Instagram et vous pouvez également me retrouver sur TikTok. Donc n'hésitez pas, il y a pas mal de réseaux sur lesquels je partage tout, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, vous allez tout retrouver en barre d'infos. Donc on va peut-être passer tout de suite sur mes DP, donc mes DP que j'ai terminés. Alors il y en a, ça sera des DP partenariats que vous n'avez pas encore vu. Je ferai bien sûr une vidéo spéciale partenariat avec la toile et je vous dirai ce que j'en penserai en long, en large, au niveau des diamants, au niveau de la pose, etc. Là, je vous montre juste mes travaux réalisés. Donc, j'ai terminé. Alors là, je suis un petit peu en retard pour la présenter. Alors, je vais vous la mettre comme ça. J'ai terminé ma petite toile de mai que j'avais eue en partenariat. Donc, c'était avec des diamants, vous voyez, spéciaux comme ceci. Voilà, donc là, je vous montre tous les DP que, par contre, vous n'avez pas vu. Donc, il y en a de mai, il y en a de juin. Je vous montre vraiment ce que, voilà, j'ai pas fait, tout ce que je vais vous montrer n'a pas été fait au mois de juin. Par contre, je vous montrerai que les colos du mois de juin. Voilà, donc, voilà, ça, c'est un petit DP qui a été fait au mois de mai. Alors, il doit y avoir un certain temps que je l'ai parce que je me rappelle même plus de mon partenariat. Il va falloir que je regarde dans mon cahier pour savoir de quel partenariat il vient. Donc, bah, très, voilà, très, très joli, je trouve, un joli petit DP partiel en diamant, tout spéciaux. Ensuite, j'ai terminé cette jolie toile. Celle-ci, je l'avais eue pendant le confinement. Un vendeur qui était venu chez moi, je lui avais fait une revue des toiles. Donc, vous pouvez remonter, mais ça remonte à assez longtemps que c'est en fait un monsieur qui fait les marchés. Et comme les marchés ben, n'étaient plus autorisés, il avait mis une annonce sur Facebook et il se déplaçait chez les gens. Il fallait lui commander, voilà, il avait mis toutes sortes de toiles, il fallait les commander, il venait nous livrer. Donc, et quand je suis arrivée, en fait, il m'avait rien préparé, il a ouvert le camion et j'ai choisi tout ce que je voulais. Donc, je lui avais montré tout ce que je voulais. Et puis, voilà. Donc, j'avais pris celle-ci et celle-ci, je l'ai passée sur le groupe pour le défi animaux à quatre pattes. Voilà. Donc, il y a mon petit chien qui est là, mon petit Yorkshire qui est là et après, les setters ben, ne sont pas dessus. Voilà, donc celui-là pour les animaux à quatre pattes. Je trouve très joli aussi. Et celui-ci, c'est un 40 sur 50. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore fait durant le courant du mois de mai? J'ai terminé la toile également de nous quatre du partenariat Goodills. Voilà, donc le rendu, ben, je le trouve plutôt pas mal. Je pense qu'une taille au-dessus aurait été un petit peu mieux. Voilà. Alors, au niveau, vous voyez, de la chemise de mon mari, on dirait que sa chemise est tachée. Voilà. Alors que je comprends pas parce que ça ne le fait pas sur aucune des autres photos. Moi, on dirait que j'ai pas de lunettes alors que j'ai mes lunettes.
Ouais, moi je pense qu'une taille au-dessus aurait été bien, je la trouve. Alors quand on la regarde de très très loin, hein, plus on la recule, plus bah forcément on la voit mieux cette. Alors c'est mon bras, vous voyez derrière. Plus on la recule, mieux on la voit. Mais c'est vrai que de près, regardez, bah, de près, on est quand même, enfin près, vous êtes à 40 cm, hein. Je trouve qu'on est quand même un peu fou. Donc je pense que Goodills, voilà, sûrement, je sais pas, alors on est sur du 60-40. Je pense que Goodills, voilà, est-ce que c'est leur plus grande taille ou pas, je ne sais pas. Mais moi, je m'étais renseignée chez un autre vendeur et il me proposait en taille beaucoup plus grande. Et je me dis, c'est bizarre parce qu'on passe vraiment de l'extrême à l'extrême. Et en fait, je pense que c'était, oui, je m'étais renseignée qu'il y aurait, la toile aurait été beaucoup plus belle. Voyez, moi, je trouve que bon, mon mari, on voit ses lunettes. Ma fille, elle n'en avait pas mis. Mon fils n'en porte pas. Mais ouais, je pense que ça aurait été mieux avec une petite taille au-dessus. Alors là, c'est juste que j'ai pas fait cette bande-là. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, quand j'ai envoyé la photo, j'ai pas envoyé la bonne photo. Je voulais vraiment que ça s'arrête au bras de mon fils, pas qu'on voit encore, voilà, pour que ça soit plus logique au niveau de la photo. Hein. Moi, je suis même pas entière. Mais bon, là, moi, je pouvais pas m'agrandir. Hein. J'étais, voilà, voilà, la photo s'était arrêtée comme ça. Donc, bon, je voulais l'arrêter là. Donc, du coup, j'ai cette petite bande-là que j'avais mis du washi, que j'ai pas fait. Donc, je l'ai pas encore découpée, rien du tout. Faut que je m'en occupe. Donc, voilà, celle-ci, elle venait du partenariat Goodills. Ensuite, j'ai également fait cette petite rose bleue qui venait de chez DP Club. Je la trouve magnifique. Regardez, quand on rentre comme ça, on dirait que il y a de l'eau qui tombe sur la fleur. Ou vous voyez une fenêtre derrière la fleur et que l'eau coule. Vous voyez, comme si que la fleur était posée sur une fenêtre et qu'il y avait de la condensation. Vous voyez que l'eau coulait dessus. Je trouve ça magnifique. Donc voilà, tout en diamant cristal. Hein. Oui. Je la trouve très très jolie. Alors, vous avez des diamants de plusieurs tailles. Donc voilà, j'ai aimé également faire cette jolie toile. Je la trouve très 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 jolie. Donc celle-ci, elle venait de chez DP Club. Ensuite, j'ai également terminé celle-ci, qu'elle est même déjà encollée. C'est de mon partenariat de chez One Day Saving. Donc celle-ci, je vais également vous faire une revue. Donc tous les DP partenariats, vous allez avoir une revue. Hein. Je vais vous dire si. Voilà. Enfin, quoique j'en ai déjà bien parlé de la toile où on est à 4. Mais voilà. Donc celle-ci, c'est de mon partenariat One Day Saving. Je les trouve très jolies, ces petites poupettes. Alors, lors de la revue, on en reparlera un petit peu plus longuement parce qu'au début, j'ai eu peur. Ensuite, j'ai terminé une toute petite toile, une toute toute petite toile que j'avais eue chez Noz, que mon mari avait commencé quand il s'est retrouvé encore une fois en marée par rapport à son doigt. Et puis, bah, il faisait vraiment pas beau. Et puis, bah, avec son doigt, il pouvait rien faire. Donc, il avait un petit peu, il avait fait à moitié, on va dire. Et puis, bon, il n'avait pas terminé. Et je me suis rendu compte, en fait, j'avais dit, bah, c'est pas grave, je lui laisserai, il la fera plus tard. Cet hiver ou quoi que ce soit, mais je me suis rendu compte qu'elle collait quasi plus. Alors, je pense que chez Noz, leur toile, bah forcément, c'est des toiles qui sont reconditionnées, on va dire ça comme ça. Hein. Ils passent de camion en camion, de local en local, etc., etc. Donc, j'ai l'impression que bah, une fois qu'on l'a ouverte plusieurs fois, la colle, elle doit s'abîmer. Donc, du coup, j'ai dit, bah tant pis, je vais la terminer. Donc c'est une petite, hein, c'est une 20 sur... c'est une toute petite petite, hein. On va regarder. Je vais vous dire ça tout de suite. Mais... Ouais, elle fait 15 sur 25. Une 15 sur 25. C'est vraiment tout petit, 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 petit. Voilà. Mais je trouve que pour une petite, bah, on la voit super bien. Regardez, pour une petite, je trouve qu'on la voit bien.
Ensuite, j'ai également terminé mon DP que Lucie m'a offert. Donc, mon singe. Alors, je vais encore vous reculer, me reculer un petit peu pour que vous la voyez bien. Donc, voilà la toile terminée. Je viens de la terminer il n'y a pas très très longtemps. Là, je vais terminer cette semaine. Voilà. Alors, je trouve que la taille est vraiment nickel. C'est une 40 sur 50. Je trouve que la taille est vraiment nickel. On voit vraiment bien tous les détails. Alors, on voit bien les détails de la bouche, les détails des dents. On voit bien le détail des doigts, des mains. Enfin, de la main, du doigt et de la main. On voit super bien, je trouve, l'effet des poils. L'effet des poils, je trouve qu'on les voit super bien. Je trouve que le rendu est magnifique. Déjà, quand je l'ai débuté, j'ai commencé, elle se travaillait comme ça, la toile. Voilà, elle se travaillait comme ça, cette toile. Et quand je l'ai commencé directement, j'ai tout de suite dit, ah ouais, non, mais les poils, ouais, ça va bien donner, quoi. Vous voyez, donc, et je me suis dit direct, ah ouais, elle va bien donner. Par contre, j'ai rencontré un petit problème avec cette toile, donc j'ai prévenu Lucie. Alors j'ai réussi à la terminer, mais il me manquait à peu près, on va dire, 150 diamants d'une sorte et 150 diamants d'une autre sorte. Bon, j'en avais un peu à la maison, j'ai lu 6 coups de chat, je ne sais pas si j'arriverai à la terminer que ce qui me reste. Et puis pour finir, j'ai réussi à la terminer que ce qui me restait. Mais ouais, il y a deux références qui manquaient des diamants, donc Lucie a contacté le vendeur. Et le vendeur lui a dit qu'il fallait que je la termine. Et puis, en conséquence de ce qui manquait, il aurait renvoyé le nombre de diamants manquants. Voilà, il faisait qu'un seul envoi gratuit. Donc, de terminer la toile, quoi, il en manquerait sur une deuxième référence. Et effectivement, il en a manqué sur deux références. Mais Lucie va les récupérer. Et puis, je dis, Lucie, tu les gardes. Et le jour où, si vraiment j'ai besoin de cette référence, je te crierai au secours en disant, Lucie, il manque des diamants. Donc, voilà. Je la trouve magnifique. Et ensuite, au niveau colo, j'ai pas travaillé sur beaucoup de livres. Lucie m'a offert ce livre-là, donc j'ai voulu quand même pas mal travailler, faire de colo sur celui-ci. Et puis, mon fleur qui revient tout le temps régulièrement. Donc, sur la nature sauvage, donc j'ai réalisé le livre, le colo de la page 21. Au crayon de couleur, donc celui-ci. Donc j'ai utilisé des Déco Time, donc ceux de chez Action, et les Staedtler. Voilà, des crayons de couleur. Voilà, je trouve très joli. Donc là, comme vous savez, il y en a 4. C'est nos défis colo de la semaine. Donc on nomine une personne qui nous donne 2 numéros de page. On a une semaine pour réaliser notre colo. Donc l'une des deux pages sur n'importe quel livre de colo mystère. Ou le colo basique. Donc du coup, j'ai réalisé celui-ci. Je trouve très joli. J'ai pas fait de fond. J'ai pas fait de rien. Je l'ai laissé tel que. Peut-être qu'un jour je reviendrai dessus, mais je ne savais pas trop quelle couleur mettre, le cadre en fait, le contour. Voilà, je ne savais pas trop quoi mettre en contour, donc je vais laisser tel que. D'ailleurs, je crois que les autres aussi. Ensuite, toujours dans le nature sauvage, j'ai réalisé la page 17. Celle-ci, je trouve très très jolie aussi. Alors ici, par contre, ça a été fait au feutre. Et j'ai utilisé les Stabilo Pen 68 et les Dual Paint, c'est pas marqueur, c'est Dual Paint Brush, que j'avais eu soit sur Amazon, soit sur AliExpress, mais je crois que c'est sur Amazon. Voilà, donc pareil, je le trouve très très joli, très coloré, j'aime beaucoup. Pareil, pas de contour de fait. Ensuite, j'ai réalisé dans le livre Fleurs, la page 34. J'ai plus ma petite feuille. Là, voilà, page 34.
Alors, elle a été également faite, cette page. Ouais, si on mettra l'endroit, ça serait bien. Voilà, donc je présente comme ça, je pense, ou comme ça. Ouais, comme ça, plus je dirais. Attends, on va regarder la solution. Ah, bon, la solution, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Ah ouais, c'est avec 34, ici, c'est pas 34. Comme ça, elle se présente comme ça. Voilà. Donc, celle-ci, tout au feutre également. J'ai utilisé également les Stabilo Pen 68, les Dual Tip Pen. Voilà, c'est pas brush, c'est pen. Les Dual Tip Pen. Et ce sera tout. Et par contre, alors, je sais pas si vous allez le voir. Je ne pense pas qu'à la caméra, ça va se voir. Et j'ai utilisé des paillettes de chez Action, mais pas des paillettes, des paillettes pour le corps. Voilà, sur tout le dessin, je trouve ça magnifique. Alors, par contre, je comprends pas que vous ne voyez pas. Oh, attendez, parce qu'il y en a vraiment partout. Ah, peut-être un petit peu là, peut-être que vous allez voir un petit. Attendez, j'essaye de trouver une solution. Hein, on ne s'énerve pas. Voilà, est-ce que là vous voyez un petit peu, vous voyez un peu un reflet un peu nacré? Ouais, c'est plus un reflet un peu nacré. Et j'ai utilisé, je vous montre ça tout de suite. C'est ça que l'on retrouve chez Action au rayon make-up. Donc ça s'appelle Smile, Sparkle et Shine. Enfin, Shine. Voilà, pour body, donc pour le corps et le visage. Et c'est ça en fait. Vous voyez, c'est une petite bouteille comme ceci. Il y a un petit truc comme ça avec une petite toupette. Regardez, je vais en mettre sur la main. Vous voyez, regardez, c'est ça en fait. Bon, sauf que là, il est parti tout de suite. Mais justement, je préfère comme ça, je vais bien vous montrer. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Bon, on ne voit pas bien le rendu. Attendez. Je vous ai perdu. Et du coup, bah, je suis mieux en mettre plein. Donc, je suis mieux en déposer comme ça sur mon colo. Je suis juste venue l'étaler comme ça avec les doigts. Et ensuite, je suis venue le fixer avec de la laque. De la laque à cheveux, hein, tout simplement. Et puis, j'ai attendu un petit moment que ça sèche bien. Et puis, voilà, c'est fixé sur le colo. Et bon, c'est sûr que j'ai des paillettes sur l'autre côté de colo, hein. Je vous avoue que j'ai des paillettes de l'autre côté. Voilà. Mais bon. L'autre, je le travaillerai du coup au crayon de couleur pour être sûr. Mais bon, c'est les fleurs, donc limite, les fleurs qui ont encore des paillettes sur l'autre côté. C'est pas très très gênant, mais je trouve le rendu. Alors de loin, hein, vous voyez, ça se voit pas, mais alors par contre de près, ou quand on met comme ça, dirigé vers le soleil, je trouve qu'on le voit super bien et j'aime beaucoup le rendu. Et ensuite, dernier colo du coup du mois, c'est la page 99. Celui-ci, donc dans le Nature Sauvage. C'est la page 99, c'est celle-ci. Et celle-ci, je l'ai également fait à l'aquamarqueur, au dual, les duals là que je vous parlais. Et le stabilo, alors le stabilo mais un noir. Voilà, parce que j'ai des zones de noir dedans. Voilà, bon, celui-là, j'aime un peu moins. Voilà, c'est celui que j'aime un peu moins. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour le mois. Donc vous avez vu mes quatre colos du mois de juin et mes DP du mois de mai et du mois de juin. Bon, c'est vrai que j'en ai quelques grands, donc ça m'a pris un peu de temps. Voilà, je vais bientôt vous faire également une vidéo avec mes encours, comme ça vous verrez un petit peu sur quoi je suis actuellement. Et puis, voilà quoi. Bah écoutez, sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Ça fait toujours plaisir.
Pour les messages qui sont laissés, sur lesquels j'ai pas forcément une question, je mets un petit cœur pour montrer que j'ai bien lu votre gentil petit commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.